Salut à tous et à toutes, bande de petites truffes. Aujourd'hui, nous allons tester tout simplement d'autres jeux. J'ai installé d'autres mondes, normalement. Ouais, regardez-moi ça. Objectif Mars, tout ça, tout ça. Ah, c'est con, c'est inconnu le truc. 1.9. Donc ici, ce qu'on va déjà faire, c'est de mettre mon pack de textures en question. Mais pour ça, on va d'abord aller... On va d'abord aller... Ah oui, mais non, je peux pas. C'est pas... Bon, bah, du coup, on va aller, je sais pas moi... Sur via une map à la LOL. Parce que c'est rigolo. Tout ça, elles sont à un point douche, ces maps-là. Bah, c'est parfait. Aller sur une des deux pour choisir. Je vais vérifier quand même le niveau de son pour pas que ça gêne. Donc la musique, elle est pas trop forte, c'est ça, hein, si je me trompe pas. Oui, c'est bon. La musique, je la laisse à 3% quand je fais des vidéos. Comme ça, ben, elle ne gêne pas en plein vidéo, quoi. Je peux pas avancer ici. Ah, c'est bon. Les trucs sont pas bons, quoi. Alors, mais ici voilà, j'ai pas besoin de tout pack en question, c'est ça qui est un peu con. Bah, le but c'est de faire la survie théoriquement ici. Je veux bien faire de la survie, mais le problème c'est que. Déjà, quand on voit qu'il n'y a rien qui s'affiche, c'est dès que j'ai pas les permissions, génial. Donc, ce que je voudrais faire plutôt, c'est... Attendez, je réfléchis. Alors, qu'est-ce que je voulais faire encore? J'ai oublié ce que je voulais faire en fait. Ah oui, bah non, non. Vérifier un peu partout. Non mais c'est bon, il y a rien à faire en fait. Vu que j'ai pas les droits, de toute façon, je peux rien. Ah oui, si, voilà, c'est ça, j'avais complètement oublié. Voilà, c'est ça que je voulais changer en fait. Parce que avancer, voilà, il me met ces aides qu'on met plutôt. Et là, tu mets. Donc, ça, c'est. Qu'est-ce que c'est ça? Là, ne fonctionne pas le cul décidément, c'est chiant à chaque fois qu'il faut déjà. Alors du coup, bah non, bah oui, mais tu mettras le A pour jeter, tiens. Voilà, là ça doit être beaucoup mieux. Oui, voilà, voilà, ça c'est beaucoup mieux pour jouer, parce que l'autre mode, l'autre truc d'option, laisse tomber, quoi, ça ne fonctionne pas du tout. Alors, nous nous retrouvons pour un petit let's play sympathique, où, je sais pas si c'est vraiment un let's play, on verra bien, mais j'ai envie de faire une petite vidéo tranquillou, détente, comme ça, de vidéo pour les projets, pour parler un peu de mes projets, en fait, sur la chaîne, tout simplement. En espérant que la vidéo filme aussi, parce que c'est possible qu'elle filme pas. Attendez. Non, c'est bon, ça filme. C'est bon, c'est bon. Et voilà. Merde. Ah. Non. Allez. Ne fais pas ça. Merci.
Bon, désolé pour le petit plantage miniature, c'est ce qui se passe quand je regarde. Pour être sûr que ça filme en fait mon OBS, parce que s'il ne filme pas, ça ne va pas. Hein. Donc comme vous voyez, c'est magnifique avec les shaders, c'est toujours aussi beau. Il fait sombre quand même, mais bon, comme je débute, je dois quand même commencer à creuser quelque part. Donc on va choisir par là. Par contre, comment je fais du bois? Ah oui, d'accord. Il y a des saplines. Je vous montre un peu comment on fait dans ce genre d'ancien jeu, en fait. Parce que c'est des vieux jeux, ça, en fait, tout simplement. C'est des vieilles maps qui n'existent plus. Et du coup, c'est des maps que moi, j'ai trouvé toujours très intéressantes, justement, parce que c'est des maps qui ont un gameplay assez ancien, en fait. Et du coup, je vous montre comment on fait pour ces maps-là. Suivez bien ce que je fais, hein, parce que c'est très très difficile, MDR. Quand même pas à ce moment-là, ça. Hein. Voilà, ici, par exemple, je peux foutre ça. Je ne sais pas où, mais je vais mettre ici. Si on s'en fout, on le met. Hein. Donc ici, par exemple, je voudrais faire une pioche. Mais bon, il y a un truc qu'il faut d'abord faire avant, c'est des sticks. Et puis, faire une pioche. Alors, pour information, pour ceux qui sont pas au courant, je suis retourné sur Palladium. C'est génial. Je vous ferai des épisodes sur Palladium aussi. Si ça vous intéresse, hein. Donc voilà, comme ça vous êtes au courant. Palladium est prévu aussi. Donc, aussi ça peut éventuellement vous permettre que si vous débutez dans Minecraft et que vous êtes très nul en Minecraft et tout ça, ben, je peux vous faire une sorte de débutation, comme on dit, d'un commencement. Donc, comme vous voyez, ce que j'ai fait, c'est que j'ai d'abord cassé de l'arbre. Après, je l'ai mis, j'ai mis dedans pour faire des... Enfin, vous pouvez le faire ici aussi, hein, pour le bois. Pareil pour les sticks. Tant que c'est de deux, ça va, il n'y a pas de problème. C'est si ça demande plus de deux cases en fait qu'il faut faire dans le bench tout simplement. Alors ici donc on va voir, après il faut en fait récupérer de la pierre. Et comment on récupère de la pierre? Eh ben c'est très simple, en creusant. En creusant tout simplement. Vous creusez. Ah. Mmh. Ouais, j'ai une gêne en fait. Et du coup, bah, ça me permet de récupérer de la pierre pour pas la suite. Mmh. Mmh. Des emmerdeurs vont peut-être me dire on voit rien, mais bon. Donc je vous conseille de récupérer de la pierre assez pour faire un four et pour faire des torches. Un peu de lumière, c'est pas de mal. Ici ce que je fais en fait, c'est que je vide le plus possible mon truc. Alors ici, ce que je vais faire, c'est que je vais miner ça pour pouvoir faire des torches, parce que ben il y a besoin de torches tout simplement. C'est vraiment un let's play pour les gens qui ne jouent pas trop à Minecraft et qui ont juste envie de se refaire des vidéos basiques ou pas, hein. Donc ah oui, j'en étais où pour ma chaîne? Ben comme j'ai dit, il y a des speed painting qui sont prévus. Parce que voilà, maintenant que j'ai une tablette Ouyon Canvas -GT 190, c'est une
une tablette Ouyon avec écran de 19 pouces. Ici, petit bémol, ce que j'ai, c'est que je suis sur VGA en termes d'affichage. Oui, ça va, c'est pas non plus la mort, mais c'est vrai que c'est mieux d'être en DVI. Parce qu'en fait, cette tablette, elle a deux modes d'affichage. Elle a un mode d'affichage. Pardon. Elle a un mode d'affichage VGA et aussi le DVI. Donc VGA et DVI. Et en fait, ici, ça, on m'a donné. J'ai le mode. J'ai reçu avec le convertisseur avec. Qui fait VGA en fait. Donc j'ai la plus pourrave en termes de résolution. Mais je vous rassure, j'ai prévu de commander ici dans les semaines qui suivent. Un convertisseur DisplayPort vers DVI. Parce que oui, le PC que j'ai, en fait, c'est du DisplayPort, hein, la sortie. C'est pas du HDMI. C'est meilleur que du HDMI, c'est juste que le son n'est pas pris en compte. Et DVI, c'est pareil, c'est la même chose. C'est juste uniquement l'affichage. Mais par contre, le DVI peut gérer du 720p et du 1080p sans problème. Alors que le VGA, ben, c'est que du VGA, en fait. Hein. Ça ne peut pas... Ça peut pas gérer le 1080p, la résolution est un peu plus basse. Je sais pas c'est quoi comme résolution. Je ne connais pas toutes les résolutions. Décidément, à chaque fois que je fais des vidéos, j'ai toujours des chats qui me cassent les couilles, quoi. Je parle des chats dans la gorge. Hein. À chaque fois, j'ai ce genre de petits soucis. Quand je veux faire une vidéo, j'ai toujours un chat dans la gorge. J'ai beau essayer de faire autrement, hein, il y a toujours un chat dans la gorge. C'est ultra chiant. Tout ce que je vais faire, c'est que je vais éclairer un peu les zones. Comme ça, le soir, on aura de la lumière et on sera plus dans le noir. Voilà. Ici, pareil, on va mettre une torche pour être plus dans le noir. Regardez comme c'est beau. La réflexion tout mou. Alors, j'ai bien un pack de textures en question pour les trucs, mais c'est pas le bon pack. Je sais pas ce que ça peut faire. On peut tenter de le mettre. Pas du shader, hein. Pas du pack de texture. Voilà, j'ai celui-ci, oui ta gueule, mais c'est pas la bonne version en fait, hein. C'est 1.7, mais apparemment ça devrait fonctionner un peu quand même. Oui voilà, en fait ce qui se passe c'est juste ici que c'est buggé quoi, mais qu'est-ce qu'on s'en fout. Regardez, voilà ce qui se passe. Vous voyez, c'est juste ça qui est buggé. Sincèrement, je m'en fous de ce qui est ce genre de bug là. Donc voilà, mon pack que j'ai utilisé pour cette aventure, ça pourrait être plus intéressant. Ah oui, non, c'est peut-être en effet, il y a un petit problème là. Il faudrait que j'aille récupérer le pack. A9. Mais je vous montre un peu à quoi ressemble ce pack, tout simplement. Voilà. Donc, ce que je vais faire plus tard, c'est que je vais récupérer le pack en question, celui-ci. Donc, j'ai déjà oublié, c'est chevalerie ou un truc comme ça. Et je vais carrément lui grader, en fait. Parce qu'en effet, ça, c'est un problème, quoi. Que ce soit cette couleur-là, c'est pas normal. Donc voilà, il faudrait juste que j'upgrade ce pack de textures pour régler le souci. C'est parce que je préfère ces fenêtres-là, ils sont un peu plus légers, c'est plus fun. Donc voilà, comme ça vous voyez un peu. Après, on peut tenter de le laisser quand même. Hein. Donc le nom de ce pack de textures, je vais vérifier une deuxième fois parce que j'ai déjà oublié. Hum.
Alors. Alors, dans les modes, je peux vous montrer tous les modes que j'ai. Voilà, tous les modes que j'ai. Hein. Comme vous voyez, voilà. Tout simplement, j'ai rien d'autre que ces modes-là. Alors, options, nous sommes en facile. Donc, ça, c'est bon. Alors, c'est Dark Medieval Fantasy. Ok. Bah écoutez, je vais aller récupérer ce pack de textures après la vidéo sur internet pour récupérer plusieurs versions plus récentes si c'est possible. Parce que j'aime bien ce pack de textures, à part les cannes à sucre qui sont buggées là pour l'instant. Il y a sûrement d'autres items qui sont buggés, hein, forcément. Mais il me semble que je l'utilise quand même en fait, parce que il me semble qu'il y a que ça en fait, quasiment. Il y a que. Il n'y a que ces bugs de ces trucs-là, en fait, tout simplement. Donc, je l'ai gardé malgré tout, que je sais que c'était assez buggé. Là, j'essaie de casser ma pioche. Alors, du coup, comme je disais, hein, sur ma chaîne, les projets, parce que c'est bien, je parle, mais j'oublie le principal. Les projets pour ma chaîne, c'est de faire donc des vidéos gaming, faire du dessin et faire des TikTok aussi, bien sûr, avec mes marionnettes, bien sûr, hein, ça doit être ça. Je n'abandonne pas l'idée des marionnettes. Je sais que beaucoup de gens se sont abonnés pour ça. Donc, pour ceux qui me suivent pour mes trucs de marionnettes, pas d'inquiétude. Je ne vous ai pas oublié. C'est juste que pour l'instant, j'ai stoppé parce que j'ai plus envie de faire ça pour l'instant parce qu'il faisait chaud. Et vu qu'il faisait chaud à crever, je transpirais. Et du coup, j'étais sale, quoi. Et du coup, c'est pour ça que j'ai arrêté ces trucs-là. Mais je n'ai pas arrêté ça définitivement. Je reposterai plus tard sur TikTok. Parce que c'est grâce à ça qu'on a dépassé la barre des 400 abonnés. Et je vous remercie d'ailleurs pour ça. Donc je continuerai à faire aussi ce genre de vidéos. Mais le truc c'est que de base aussi je suis très Minecraft et je suis très... voilà quoi. Donc il faut pas oublier que j'aime bien aussi Minecraft. Donc voilà. Merde, je peux d'abord... Non, casse ça. Hein. Finis cette pioche. Et on pourra aller sur Palladium si vous voulez plus tard pour filmer sur Palladium. Palladium. Ah oui, et il faut récupérer beaucoup de pierres aussi pour autre chose. Pour les chemins. Bah oui, parce que en fait, vous devrez faire des pots de chemin en fait dans cette map. Des pots de chemin, donc des chemins tout simplement. Donc je vous montre, hein, je vous explique tout simplement comment ça fonctionne. Si j'arrive à monter, c'est allô. Alors, ce qui se passe, c'est que en fait, ici, il faudra que je me mette en sneak. Si je trouve le sneak. Et en me mettant en sneak, je fais comme ça. Et je fais du chemin vers là-bas. Et ainsi de suite. C'est comme ça que fonctionne ce jeu. C'est comme ça qu'on fait sur ce jeu. Tout simplement. C'est pour vous montrer, quoi. Donc c'est ce que je vais devoir faire. Sinon comme vous voyez le reste fonctionne correctement au niveau de la ficelle du truc. Mais de toute façon comme je vous ai dit hein, je vais aller chercher. Il n'y a que ces trucs de canne à sucre qui fait que c'est moche. Pour ça il suffit de les casser au pire. Hein. Comme ça on fait cache-misère. Bon en vrai non parce que je vais replanter mais. Voilà, c'est le seul petit bug que j'ai, c'est avec les cannes à sucre qui sont grises. On qu'à dire que c'est des nouvelles sortes de cannes à sucre. C'est des cannes à sucre maquillées, punkisées, je sais pas quoi. Voilà, c'est des cannes à sucre très très spéciales. Voilà, ne cherchez pas. C'est des cannes à sucre très très spéciales. Je sais pas pourquoi j'ai pris du sucre. Je me dis que ça pourrait servir.
Ah oui, coffre en bois, tiens, je vais en faire. Ouais, mais j'ai pas assez de bois. Et en fait, ici, il y a un problème, c'est que ça devrait dépoper, ça, en fait. Depuis tantôt, je laisse ça exprès pour dépoper, mais il n'y a rien qui se passe. Donc, c'est juste que le serveur, il oublie qu'il doit, il doit dépoper les trucs, mais il ne le fait pas. C'est pas très très gentil. Et mon coco, il faut les dépoper, hein. Voilà. Ah, il m'a rien donné. Ah, enculé. Ah, ça fait un peu la merde. Si au cas où l'autre me donne rien, on a plein là, en effet. Wow. On va voir. Si lui ne donne rien, je sais pas. Je me permettrais pas. Ah mais non, c'est pas un kiwi. Ouais, je serais resté un peu là-bas. Ouais, je pense qu'en fait il y a un bug, c'est que le jeu il considère pas les arbres qui sont là. En fait, ils n'existent plus réellement tout à fait au niveau. Ah si si, regardez, j'ai eu un pouce de bouleau. Ouf. On est sauvé. Je me disais, allez, c'est parce que le truc, il ne considère plus l'existence de ça. Mais non, 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 si, si, ça fonctionne. Donc c'est bon, on est sauvés. Ouf, tant que de temps en temps, j'ai au moins un pouce de boulot pour pouvoir au moins les dupliquer, c'est bon, quoi. Mais c'est vraiment minime, hein, c'est vraiment le truc du pauvre, quoi. C'est pas ouf, hein. Ouais, vous voyez le bug, quoi. C'est dingue. Et du coup, en fait, ici, je dois juste continuer à miner, en fait. Comme je vous l'ai expliqué, hein, le principe de ce jeu, c'est de faire des passages pour passer, tiens, et pour passer d'une zone à l'autre, en fait. Donc, il faut récupérer beaucoup, 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 beaucoup de pierres. Alors, j'aimerais bien faire des aventures avec un ami, avec une personne. Pour ces vidéos-là, il y a moyen. Hein. Peut-être pas celle-là du coup parce que c'est mort parce que je les ai commencé. Enfin, c'est pas ça, mais c'est juste que du coup je vais héberger cette map sur mon serveur. À ce moment-là, si au cas où ça pourrait se concrétiser, peut-être que je remettrai tout à zéro. Enfin, je donnerai à l'autre en question quoi. Et ça changera rien pour vous. Tranquillité, voilà. C'est beaucoup mieux. Et du coup, ça fait un. Ici, ça fait un joli. Voilà, ça fait une jolie sorte de véranda, je sais pas quoi. Ça fait joli. Alors, ça fait un petit espace sympa ici. Ça peut être aussi mon habitat pour dormir ici, en effet. Parce qu'il faut aussi faire de la survie. Et du coup, en fait, vous minez, quoi. C'est le principe de Minecraft, après tout. Hein. Voilà. Après, est-ce que je dois surveiller mon nombre d'épisodes? Oui, c'est peut-être intéressant de surveiller, en effet. Je sais pas trop à combien j'en suis, mais c'est vrai qu'il faudrait éventuellement surveiller. Alors pour information, si au cas où vous disiez, tiens, la voix, elle est assez différente que celle que tu utilises habituellement, c'est normal. Parce que j'ai fait une couille, hein, j'utilise voice mode, là, ça pimpe la voix, tout simplement. C'est voulu. Parce que bah, je sais que sinon, du coup, bah, c'est pas ouf, quoi. Ah, il fait nuit. Alors, ça déjà, on peut faire quelque chose avec ça.
Voilà. Ça fait une source d'éclairage en plus. Hein. Bah, je continue à miner, hein. Parce que je peux pas dormir, j'ai pas de lit. Donc je peux rien faire, théoriquement. Il me faut un lit, il me faut de la laine pour ça. Mais pour avoir de la laine, il faut que je trouve des bêtes. Si j'ai changé le mode d'encodage, en fait, j'utilise le mode directement, ça encode en mode MP4, alors qu'avant c'était en MKV. Donc c'est aussi pour voir qu'est-ce que ça donne en termes de résolution, en termes de puissance, avec du MKV, du MP4. Le seul truc que le machin dit, que c'est que le mauve et le MP4, si le PC plante, s'il y a une coupure de courant et tout ça, ben, si le truc tu veux pas faire finir et que ça ne peut pas finaliser, ben du coup c'est mort pour la vidéo, c'est mort quoi, ça ne marchera pas, tu l'auras dans les fesses. Ouïouïouï. Et là du coup moi je me dis mais moi je m'en fous, et ça fait quand même mal aux fesses. Fesses. Ouais, voilà. Ah, de la lave. Trop cool. Trop cool. De la houlave. De la houlave. Quelle jolie ou nouvelle tout le monde. Ça va, il n'y a pas de mob. Pour l'instant, j'ai de la chance. Il n'y a pas de mob qui vient me terroriser. Qui tente pas de me tchoum-tchoumiser avec de la mousse. Oui. Ouh, à vous. Il est terrorisé par de la mousse. Non, ne me menacez pas avec de la mousse, il y a très très peur. En tout cas, tous mes trucs fonctionnent bien. J'ai pas mal de stacks là. J'en mets un de côté au cas où si je meurs. Voilà. Et comme vous voyez, j'ai un coffre spécial que j'avais mis. C'est des coffres et tout ça. Et c'est pour ça que je voudrais éventuellement retrouver ça quoi. Retrouver ce pack de textures que j'avais trafiqué quoi du coup. Que c'est plus stylé d'avoir son propre pack de textures trafiquées qu'avoir un pack d'origine. Ça, il n'y a rien à dire. Qu'est-ce que c'est là? Donc ici j'attends qu'il fasse jour. Quand il fera jour, ben on ira faire ce que j'ai dit là, mettre des pierres machin là. Et oui, j'ai vu des trucs en bas. C'est parfait, c'est du charbon. C'est loin. Elle en est où la lune? Apparemment, elle doit arriver quasiment à la fin là, je crois. Non? Là, la lune, mais je sais pas trop si.
Oh, regardez les effets d'étoiles, c'est magnifique. On va aller regarder dehors. Tiens. Regardez-moi ça, comme c'est beau. Ah, oh. Magnifique étoile de toute beauté. C'est magnifique. Sublime. Des étoiles scintillantes. Donc, on va aller par là hein, pour information. Et puis, en fait, quand j'irai par là, bah, je mettrai ma tête du truc, quoi. Peut-être déjà tenté, au pire. Je pense pas qu'il y ait des mobs qui vont me tomber dessus. C'est peu probable. Parce que y a pas assez d'espace et c'est pas. Je n'y crois pas trop. Et de toute façon, j'ai ce qu'il faut pour me défendre. Donc, on va prendre le risque. On est des fous. Le problème en fait c'est que comme vous voyez j'arrête pas de... Et voilà. J'ai entendu un fantôme. Ah ouais, parce que j'ai oublié de vous dire, j'ai mot créature sur ce mode, sur ce truc. Donc il n'y a pas que uniquement un simple truc, genre juste ça. Non, non, il y a mot créature carrément avec. Donc c'est ouf, quoi. Ça veut dire qu'il y aura carrément des mobs de mots créatures dans cette aventure. Eh oui, les gars. Donc, c'est pas juste une aventure loose comme ça. Non, non. Il y a des personnes, des trucs comme j'ai dit, mots créatures, quoi. Donc, c'est cool, quoi. Regardez, il y a un mob qui c'est un fantôme, ça. Ah non, c'est peut-être un zombie en fait. Ah oui, c'est un zombie. Lol. J'avais oublié que les zombies font un bruit différent ici. Au lieu de... Comme ça. Voilà. J'espère que ce petite imitation vous a plu. Lol. Que vous avez pas eu peur. Alors. Cette jolie ou imitation tout mou qui avait fait là. Quel joli ou zombie que vous avez fait là. Vous allez me dire ouais mais par contre c'est pas un peu casse-gueule là? Non ça va. Je suis une fainéasse, il faut le savoir. Je ne ferai sûrement pas plus grand. Parce que j'ai pas envie de casser cette beauté.
Regardez en bas, il y a un fantôme, je crois. Peut-être qu'il y a un sol. Vu qu'on est sous une autre version, je sais pas. C'est pour le screenshot, hein. Je sais pas trop qu'est-ce que je pourrais prendre. J'en fais peut-être plusieurs. Donc ça fera le taf. Regardez les creepers, ils ressemblent à ça ici. Il est comique. Hein. Il est très très rigolo. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il fout là? Ah, là aussi, on avait un. Ah bah, décidément, ça va être la fête ici. Avec des creepers dans les cages, c'est. Trop cool, trop cool. D'ailleurs, on va bientôt se quitter. Ouais, je pense qu'on va se quitter ici. Donc, j'espère que cette petite vidéo tout mou vous a plu. Dans de petites truffes. Et je vous dis à bientôt, bande de truffes. Ou ciao. Alors, vous étonnez pas, je vais sauvegarder et quitter. Hop là, écran noir. C'est question de sécurité pour pas que le jeu plante. Pour que tout se ferme normalement. C'est ce que je suis obligé de faire dans cette version-là. Parce qu'avec cette version 1.12, en fait, si vous voulez, je suis obligé d'ouvrir le jeu, de le lancer. Ah non, je dis des conneries, pardon. Je suis obligé de lancer d'abord OBS, puis d'ouvrir de lancer le jeu-là, donc lancer l'exécutable. Enfin, pas Minecraft, mais je peux déjà être dans le truc du Minecraft menu machin là. Hein. Mais je dois, quand je lance le truc pour le truc de mode, pour avant que ça se mette en plein écran, il faut que je fasse avant, après, je veux dire, justement après que j'ai lancé l'enregistrement. Parce que sinon, ben, ça plante en fait quand je quitte. Ici, j'ai eu la chance, mais ça aurait pu planter quoi. Donc du coup, voilà. Ou en tout cas, il faut que je sois dans les menus au pire. C'est pour ça que vous avez peut-être vu le truc et tout ça. Parce que c'est ce genre de bug avec ce genre de version ancienne, c'est qu'il y a un petit souci, c'est un peu du mal avec le plein écran. Et que si vous quittez le plein écran pour aller sur votre bureau et que vous revenez, ça freeze et ça peut même carrément planter complètement. Des fois, ça peut revenir comme vous avez vu là tantôt. Mais pas tout le temps, hein. Ça peut carrément planter. Du coup, c'est un peu chiant. Allez, ciao ciao, bande de trou-trou.